Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode 2 Elite Dangerous Horizon, toujours sur la planète, donc soi-disant riche en métaux. On va quand même bouger un petit peu de l'endroit où on est à l'heure actuelle. On va essayer de se déplacer un peu plus vite, tout simplement. J'aimerais trouver un autre endroit pour farmer tout ça. Donc je vais me déplacer, je pense, plutôt par là, vers le centre. Ça, on pourrait essayer de trouver une zone un peu plus plate peut-être. Et donc je me suis renseigné, chers amis, sur les différents sons que produisent les métalliques météorites. Donc les choses dans lesquelles on devrait trouver ce qui nous intéresse. Et donc on devrait être plus à même de les farmer aussi au niveau du visuel affiché sur le wave scanner, hein, tout simplement. Donc voilà, je pense qu'on booste encore une fois et on va pouvoir se poser. Voilà, on va se poser par dans le coin. Hop, c'est parti. Là, j'ai cru voir une zone sympa. Hop. L'alignement est parfait. Crac. C'est bon. Cependant, le carburant, on est à 38%. Il va pas falloir en faire de trop. Et on verra bien. On verra bien. Je vais juste essayer au moins d'en trouver une pour pouvoir réussir à voir si c'est bien comme ça que je vais les trouver ou pas. Parce que là, franchement, je commence à avoir des doutes, chers amis, hein, autant être honnête. Je commence véritablement à avoir des doutes. Ok, j'entends les bruits, alors attendez. Attendez. Je retente une dernière fois pour être sûr. Ok. Je l'ai. Alors, on y va. S'il veut bien me laisser sortir. Ok. Plus potentiellement par là. Potentiellement par là. Potentiellement par là. On va bien aller voir. Hop. Attendez, j'écoute. J'aimerais en être sûr en fait. Ok, attendez. Non, ça me semble pas trop moche. C'est littéralement un bruit mécanique assez clair en fait. On va aller par là. Ça peut être par là. Wouah! La bif qu'on s'est prise! Ça peut être par là, techniquement. Mais je sais pas vraiment si je peux en faire la différence à très très longue distance, en fait.
Généralement, c'est pas bon. On va voir si le site est efficace ou pas. Quelque chose là. Qu'est-ce que c'est? Affleurement. On n'en trouvera pas. Ces symboles là, normalement, c'est pas les bons. Moi, faut que je recherche un truc au sol. Enfin, au bord du comment du truc. Je pense que je vais reprendre le vaisseau. Alors. Par la droite, semble y avoir quelque chose d'intéressant. Aïe. Par la droite, semble y avoir quelque chose de potentiellement intéressant. Je vois deux lignes. On voit deux lignes, vous voyez, au bord, tout au bord du truc. Qui stagne un peu. Et ça, normalement, c'est plutôt bon signe. Deux lignes resserrées avec très peu de choses dedans, normalement, c'est potentiellement une météorite. Je vous le dis. Normalement, c'est bon signe. Merde, pas la perte de vue. C'est pas le bon son. Ça qui m'inquiète le plus, c'est que c'est pas le bon son. C'est pas le bon son. C'est pas du tout le bon son. Affleurement. Hop. Je regarde quand même, sait-on jamais. Non. Ah là là. C'est compliqué à trouver. C'est compliqué à trouver. Je serais presque partant pour de repartir et de faire autre chose. On va faire autre chose, chers amis, c'est pas grave. On ira rechercher ça plus tard. Je me renseignerai. Je demanderai à quelques-uns de mes amis sur le jeu. Et on verra si j'arrive à obtenir une réponse. Hop. Hop. Crac, on y retourne. Je l'ai pas vu cette chute comme ça. Ce petit demi-tour à la con, je ne l'ai pas vu venir. Hop, non. Hop. Oh. Ah, je m'en doutais, il est très très large ce SRV. Voilà. Hop, on re-rentre, on va aller sur une station, chers amis. Embarquer, on va aller sur une station. On va prendre un wave scanner. Et on va aller se faire ça. Je vais vous montrer comment on a donc un certain composant. Un certain matériau. Le matériau en question étant. Le matériau en question étant. Les échos de sillage perturbés. Les processeurs chimiques, je sais où, comment où en trouver. C'est sur des petits vaisseaux, pas sur des gros, principalement. Pas de haut niveau, en fait, comme en fait, vous voyez, c'est simplement, c'est très simple. Voilà, là actuellement, vous voyez, on a un matériau commun. Un matériau commun, ça se trouve sur des vaisseaux de bas niveau, tout simplement. Voilà. Voilà comment on va trouver ce genre de choses. Hop. Retour. Vu qu'on est ici, je vais quand même regarder vite fait si j'ai mis ou pas une note sur cette planète. Oui, je l'ai mise. Parfait, on a un autre poste, on a ici à 320 SL le Pinto Hub, on va y aller. On va aller sur le Pinto Hub en espérant qu'il soit pas derrière la planète, ce serait cool. Alors, Bischoff, Solem, Pinto Hub, voilà, je voyais pas. Potentiellement dans la merde, mais c'est pas grave. Non, c'est bon. C'est bon. Parfait. Ok. C'est parti. Ah non, encore, voilà, c'est bon. Là, c'est bon, on y va.
falloir garder ce vecteur d'évitement pour éviter de rentrer dans l'atmosphère. Enfin non, mais justement il n'y a pas d'atmosphère, c'est justement ça que, là qu'est le problème. Hop. On y est presque. Alors. Attention. Une fois qu'on aura atteint le 0 DC là. Je sais pas à quoi ça correspond 0 DC et QUT. Mais bon. Une fois qu'on aura atteint le 0 DC là, on sera bon. Alors, alors. Voilà, on est bon. On a plus de risque. Littéralement, on a plus de risque normalement. C'est parti. On a 4 jours de route. On se retrouve dans 4 jours, chers amis. La merde. Ça, c'est la grosse, grosse merde. Bon, par contre, oui, au niveau de ces. Comment ils appellent ça? Métallique, météorite. Je suis un peu perdu. Je suis véritablement un peu perdu. Mais bon, j'imagine que c'est comme ça. Faudra vraiment que je me renseigne. Faudra vraiment que je me renseigne. Normalement, je dis ça comme ça, chers amis. Normalement, vous allez voir les trucs de scanner troublé là. Hop, je vais aller très très vite. Les échos de sillage perturbés, ça va être assez facile à trouver. Vous allez voir. C'est facile à trouver, maintenant faut réussir à avoir la chance de tomber dessus quoi. Littéralement c'est ça le véritable problème. Mais il y a un moyen assez simple de le faire malgré tout. Alors. Il y a des moyens aussi de le faire encore plus rapidement. Je vais vous expliquer tout ça. Alors. On arrive. Hop. Pourquoi impact? Il y avait impact il y a 2 secondes. Pourquoi? Ah parce que c'est derrière. D'accord. Ok. Voilà. Mais non, pas besoin. Et on est bon. Pinto Hub, nous voilà. Et donc c'est par le haut. Tant bien, en plus il y a beaucoup de vie dans ce truc apparemment. Une bonne nouvelle. Hop. 3-5, Roger. Hop. Crac, voilà. Alors, 35, il est juste là. Hop. En douceur, crac, voilà. Du coup, entrer dans l'hangar, service de spatioport. Pourquoi entrer dans l'hangar? Parce qu'on va changer une pièce, simplement. Parfait. Plus qu'à espérer qu'il l'ait.
tout simplement. Avec la nouvelle interface, en plus, ça va être encore plus simple. On reprend la souris. J'imagine tellement les trois écrans tactiles, un pour le panneau de gauche, un pour le panneau de droite, un pour devant. Oh, ce serait tellement magique, vous savez, imaginez, appuyer sur service de spatioport, merci de patienter, décoller, hop. Ah, la joie. Super utilitaire, normalement, si je me trompe pas. On va prendre l'éditeur d'avis de recherche, parce qu'on n'aura pas besoin pour l'instant. Détecteur de sillage, voilà. Détecteur de sillage FSD, alors, d'accord, masse. Portée du détecteur 2000, 3000, et là 4000. D'accord. Oui, non, c'est celui-là que j'ai, celui-là, d'accord. Ok, 2000 et 3000. Consommation plus importante, cela dit. Bon, ça me semble pas être un véritable problème. Ça me semble bon de chaque côté. Bon, bah écoutez, durée d'analyse 10 secondes, 10 secondes. On va partir sur un C, donc à 121 000. Ce qui nous fait un bénéfice de 810 000 crédits. Bon, bah c'est pas rien. Hop. Maintenant qu'on a ça, chers amis. On va regarder vite fait les stickers. Cyber vendredi, j'en ai pas d'autres. Non, j'en ai pas d'autres. Bon, les autres stickers, tableau de bord, tout ça, j'en ai pas. Voilà. Ok. Ok, ok. On ressort, chers amis. On va d'abord le mettre quand même en place. Groupe d'armement, de terre de découverte avancée. Contrôleur de collecteur. Alors apparemment il n'y a pas besoin d'utiliser, ça se. Ah si je l'ai vu. Détecteur de comment, d'accord, utilitaire. On va le mettre sur le 3 de manière complètement hypothétique. On va décoller. On va se mettre devant. Et vous allez voir, c'est très très simple. C'est même extrêmement simple. Je peux pas sélectionner mes armes pour l'instant, d'accord, pourquoi pas. Bon, il n'y a plus qu'à espérer qu'il y ait beaucoup de trafic. Plus il y a de trafic, forcément, chers amis, plus vous aurez de sillage à analyser, tout simplement. Hein. C'est très très simple. Hein. C'est comme ça que ça marche. Plus vous avez de trafic, plus vous avez de sillage, plus vous avez de potentiel, enfin plus vous avez de chance pour avoir un sillage perturbé à analyser, tout simplement. Sillage, voilà, parfait. Et bon, on en a déjà un paquet. Hein. Voilà, sillage FSD à ton énergie, on va se mettre à moins de 4 km. Hop. Ce qui se fait assez vite, hein, d'ailleurs. Hein. Un petit coup de boost et vous y êtes. Hein. Bah alors. Ah, j'ai pris celui qui a 3 km. Ah oui, c'est vrai, 4 km, c'était l'autre truc. Voilà, faites l'analyse. Et du coup, aucune information, enfin rien d'intéressant pour nous en tout cas. Dommage, disparu, hop, on rebooste, c'est pas grave, celui-là on le connaît déjà. Celui-là, là, on peut le scanner. Avant de le dépasser, ce serait bien. Et ça va être short. Eh ben non, dommage. Oh, on a tellement pas de chance. Il manquerait plus qu'il disparaisse maintenant. Hop. Scan en cours. Est-ce qu'il est perturbé, celui-là? Ah, nouvelle donnée. Télémétrie FSD anormale, dommage. Raté. Je crois en avoir vu un troisième apparaître dans le coin, mais... Je me trompe peut-être. Alors. On va se permettre d'analyser tous les autres vaisseaux aussi, voilà. Fichier volumineux de données d'analyse anormale, par exemple. Hop. Et ceux des autorités système, on peut le scanner aussi, c'est pas un problème. Des fois qu'on chope quelque chose au passage. Ah,
du tout. C'est pas grave. En soi, ce n'est pas grave, chers amis. L'objectif étant toujours de chercher de nouveaux, de nouvelles cibles à scanner pour rapasser un maximum d'informations. Hop. Vous voyez, lui, par exemple, normalement, soit il a disparu de mon truc, ce qui m'étonne. Ah si, il avait simplement disparu de ma portée de radar. Why not? J'ai pas d'armement, techniquement. Hop, voilà, lui s'est barré par exemple, analyse. Est-ce qu'on va avoir la chance d'en trouver un? À partir du moment où on en aura trouvé un, moi je vais pouvoir farmer un petit peu le soir. Rien du tout. Rien du tout, dommage. C'est comme ça qu'on va faire, hein. Donc voilà, vous allez sur une capitale, vous aurez 100 fois plus de vaisseaux par contre. Excusez-moi. Vous aurez 100 fois plus de vaisseaux à analyser, du coup ça ira 100 fois plus vite. Bon, j'ai rien d'autre à analyser pour le moment, à part ce vaisseau. Alors sinon vous pouvez aller sur une balise FSD, une balise de navigation. Vous aurez peut-être aussi un bon paquet de trucs de sillage. Alors. Est-ce qu'il y a bien quelque chose, il y a bien quelqu'un qui va vouloir se barrer? Non, on va essayer d'aller sur la balise de navigation. Balise de navigation, où est-ce qu'elle est? Ici, 326 SL, oh la vache. Ok, elle est à Chai. Il y a un orca, ça peut être sympa à analyser. Sait-on jamais. Un orca létal. Enregistrement de cycle de bouclier déformé. Parfait. Alors j'espère que celui-ci... Ce bar, c'est parfait. Par contre, je crois que c'est un piton, chers amis. Non, peut-être plutôt un anaconda. Bah, de toute façon. Je vais la louper. C'est pas grave. J'ai boosté, j'ai été stupide. Je voulais simplement savoir quel vaisseau c'était. Mais bon, apparemment, on l'avait déjà analysé, donc. C'est pas grave. Hop! Allez, avec un petit peu de bol. Nouvelle donnée, attention. Écho de sillage perturbé atypique. Alors, est-ce que c'en est? Est-ce que c'en est atypique à rajouter au bout? Est-ce que c'en est? Alors, allons voir. C'en est un! Oui, on en a un, chers amis. On en a déjà un. Atypique, voilà, c'est ça. Cool. Eh ben voilà une bonne nouvelle. Donc, il nous en faut deux par truc, hein, donc on a intérêt plutôt à y aller franco, hein, littéralement. Ça va être du farm. Bon, on en a eu un. Génial. Absolument génial. On n'a plus qu'à attendre tout autre vaisseau qui sortirait de l'ordinaire. Au moins maintenant, vous savez comment on fait. C'est ça la bonne chose. D'accord, je regarde la durée de l'épisode pour l'instant, on est à 22 minutes pour en trouver un. Excusez-moi, c'est juste que ça me tue. Ça me tue d'avoir d'en chier autant pour faire ça. Donc il n'y a plus qu'à attendre, chers amis. Il n'y a plus qu'à attendre. Alors, l'épisode le plus épique niveau action, hein. Je tiens à le repréciser. Il s'en va lui là-bas. On peut le scanner avant, dommage. Alors, son sillage, que va-t-il nous apporter? Ok, on l'a. Scannons-le.
Verdict. Rien du tout. Génial. Type 9. Est-ce que tu t'en vas, monsieur le type 9? Ou est-ce que tu rentres? Je crois qu'il rentre dedans. Lui, par contre, il en sort. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir leur scanner. En tout cas, scanner son sillage. Pour des 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah bah dis donc, j'ai été mauvais. Par contre, t'es loin, mon pote, hein, sans vouloir te... Ok. En douceur, hein, c'est comme ça qu'on va y arriver, chers amis. Y a pas besoin d'aller à 30 km. Hein. En tout cas, ça a le mérite d'être très particulier. Comme farm, je veux dire. Bon, bah maintenant vous savez comment faire. C'est vraiment ça le point, intéressant. Nouvelle donnée, donc ça n'en sera pas. Dommage. Ok, un petit coup de boost. Ça devrait être bon. Ça devrait être suffisant normalement. Je me trompe peut-être. Hein. Oh, quel dommage. On s'arrête à rien. Ça s'arrête à rien du tout, c'est vraiment dommage. Hop. Ok, le suivant. Écho de sillage perturbé atypique, génial, on en a deux. Alors, ça c'est fait du coup. Normalement, on devrait être suffisamment loin pour ne pas avoir à... Voilà, rien du tout dans celui-là. On en a deux déjà pour ça. Ça, c'est cool. Maintenant, est-ce qu'on a quelque chose de sympa aux alentours? Genre, recherche des armes. Non, d'accord. Point de contrôle, point de contrôle. Balise de navigation. Non, on n'a pas de... Par exemple, de... De comment? De zone de conflit, c'est dommage. Non, celui-là, j'ai déjà fait. Celui-là, peut-être pas, par contre. Si, aussi, parfait. Ok, on a la quantité qu'on veut pour avoir un premier boost déjà. Maintenant, en avoir 2, 3 ou 4 serait peut-être pas mal. Pour être en mesure de passer au niveau suivant. Au niveau de notre ingénieur. De quoi en faire 2, 3 ou 4, ce serait peut-être pas mal. Mais au moins vous savez comment on fait maintenant. Ça c'est vraiment le véritable point fort. Honnêtement, c'était extrêmement important pour moi de vous montrer comment on fait. C'est pour ça que je suis déçu vis-à-vis de la planète sur laquelle j'étais tout à l'heure. J'ai pas réussi à vous montrer ce que je voulais. Et ça m'embête. Ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. Ok, on va se rapprocher parce que je vois plus de vaisseau qui en sort ni rien. Bon, apparemment c'est la pause déjeuner. Hein. Apparemment c'est la pause déjeuner. Bon. Est-ce qu'on a une guéguerre pas loin? Est-ce qu'on a une guéguerre pas loin? Hop, réaliste, par économie, par gouvernement, par... Attendez, économie, non, c'est pas ça. Allégeance, non. Gouvernement. Y'a pas genre guerre civile ou un truc comme ça? C'est pas ça. Je sais qu'il y a moyen normalement de trouver ce que je cherche. Situation guerre. Bon, why not?
qu'une. Je sais que normalement il y a moyen. Alors, comment? Gouvernement, anarchie. Ça peut être ça. Dictature. Dictature, souvent. Ça peut peut-être en être une. Si on trouve une dictature, on peut peut-être trouver quelque chose de sympa pas loin. Genre, s'ils sont en guerre et que c'est une dictature, on peut peut-être tomber sur un truc sympa. Apparemment, je suis déjà dans une dictature où ils sont en guerre. C'est là que c'est dommage. Société communiste, non, ça va pas, faut pas exagérer non plus. Ah, ça me supprime carrément les informations, quoi, d'accord. C'est vraiment dommage. Sous l'IR. Anarchie. Situation aucune. D'accord. Chacobog. Démocratie, situation, élection. Diabozo. Aucune. Lumarago. Exploitation minière, aucune. Ayamaraura, élection aussi. Popon. Coopérative en guerre. Ça peut être intéressant. On va à Popon. Je pense qu'on va à Popon. On va aller voir vite fait s'ils ont un comment. Ah, attendez, j'ai deux points qui sont apparus. Ça peut peut-être être sympa de les scanner. Si on est à distance. Hop, c'est parfait. Pile au bon endroit. Ok. Ça serait bien qu'on tombe sur deux, mais bon, faut pas rêver non plus. Télémétrie FSD anormale. Ah, on en a encore deux autres derrière. Hop. On va en profiter à fond. On va en profiter à fond. Tant pis, ça nous fait moins de sous, c'est clair, mais bon, c'est comme ça. Écoute, siège perturbé atypique, ça nous en fait un de plus. On booste un coup pour atteindre celui-là. Dommage. Ah, fait chier. Vraiment dommage. Dommage, dommage. Bon, on va à Popon alors. On va à Popon. Ah, vite fait aller voir s'ils ont des zones de conflit. Ça pourrait être sympa. Ou même un RES. Hein. Mais c'est une coopérative, donc on trouvera pas de RES là-dedans. Malheureusement. Je sélectionne le truc que j'avais mis pour avoir entendu le son du minerai. Et ça m'embête vraiment de pas pouvoir vous en trouver comme ça. Hein. Honnêtement, ça m'embête vraiment. Alors. On l'a pas découvert, cet endroit-là. On va essayer de le faire. Hop. Je sais bien par où ça passe. Balise de navigation, on va aller la scanner, comme ça on aura plus d'infos. Hop, là voilà. Une fois qu'on l'aura scanné, on aura vraiment beaucoup plus d'informations sur ce système. Ce qui va être très 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 positif. J'ai pas l'impression qu'il y ait une zone de conflit... quelque part, malheureusement. Ok. Ça a beau être la guerre. Par contre, on va pouvoir voir s'il y a plus d'intérêt à être dans une balise de navigation ou autour d'un système, autour d'une, comment, d'une station. Ça peut être sympa. Ça peut toujours être sympa. En tout cas, on scanne cette balise. On prend les informations. Hop, allez. Ok. Sécurité faible. Nanana. Il va pas y avoir de guerre dans le coin. C'est pas possible autrement. 5 SL. Ah, il y a 1000 SL peut-être. Faudra aller voir. Ok.
Faudra aller voir. Remarque. Parfois. Peut-être trouver ce qu'on veut dans le coin. Un T7, normalement, c'est pas des méchants, ceux-là. Cible. On a un killback dans le coin. On peut regarder vite fait si on peut se faire un petit kill comme ça, pour le plaisir. Perso, moi, je suis toujours preneur pour un petit kill. Hein. Il s'en va, lui. Puis killback, c'est pas parce qu'ils sont un peu plus... En plus, il est inoffensif. Non, c'est pas sur lui qu'on trouvera quoi que ce soit. Eux, on les a déjà fait. Un eagle, un petit eagle. Casier vierge, nos sous-sailles. Wayne, on l'a déjà vu. Lui aussi. Un hauler, ça m'étonne qu'on ait quoi que ce soit aussi à lui reprocher. Quoique les haulers, des fois, hein. Piraterie, hauler, c'est plutôt des petits vaisseaux de pirates. Tiens donc. C'est marrant, hein. Vous trouvez pas que c'est marrant? Ça va être rigolo par contre. Ça va être très très rigolo. Par contre, il s'enfuit, je crois. Touché. Hop, ça c'est fait. Problème résolu. Qu'est-ce que t'as lâché? Équipement mécanique, ferraille mécanique. Bon bah récupérer tout ça. Attendez. Hop. Voilà. On va regarder s'il n'y a pas une autre cible dans le coin. Je crois malheureusement que... Hop. Je vois pas le truc pour le cibler. Ah merde, c'est parce que j'ai pas l'arme de lancer. Ah. Allez, dépêche. Non, je peux pas le tirer à 3 km, c'est pas possible. Dépêche. Dépêche. Bon, allez, on y va. C'est pas grave, on y va. On y va. Il faut que je le touche. Hop. Crac. Voilà. Problème résolu. Maintenant faut voir ce qu'il avait sur lui. Oh là là. Hop. On va essayer de s'approcher. On va récupérer un maximum de choses là-dedans. Hop. Vas-y, va chercher tout ça. On n'a pas trouvé ce qu'on voulait, hein. Encore. Mais bon, j'y crois. J'y crois. Ça devrait le faire. On va quand même essayer de se rapprocher. Hop.
Voilà. Ça va être un peu mieux là, non? Voilà, on le voit de près comme ça. Vas-y, fais ton job. Nouveau matériau. Scan detected. Qu'est-ce qu'il va dire le bonhomme qui me scanne? Vous, je vous ai à l'œil. Ah bon? Écoute, tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi. Cette petite menace ne me plaît pas, mais bon. Allez. Merci. Nouveau matériau, encore une fois. Hop. C'est fait. Allez. Parfait. Un petit coup de boost pour faire demi-tour. On va aller regarder ce que font les autres. Un casier vierge, petit Sunwinder, ça pourrait être sympa si c'est un méchant. Non, malheureusement non. Lui, ça va être le T7 qui va avec. D'accord. Jusque là, je percute. Ok, où est-ce qu'il est? Il est là. 12 km, ça fait chier, ça fait chier, ça fait chier, ça fait chier. C'est lui qui est juste à côté là. 15 km, c'est pas grave. On repassera. Scan detected. Bill Hall. Écoute, bonjour. Tu es où? Tu es là. Salut mon gros Bill. Tu t'es fait attaquer mon pote, hein. Je suis désolé, c'est pas de ma faute pour le coup là. Il est joli son eagle. C'est l'impérial en plus. Hop. Désolé, je vois bien que tu prends très très cher, mais... Hop. Qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui? Émetteur de bouclier, émetteur de bouclier, émetteur de bouclier. Nous, c'est pas ce qu'on recherche. Hein. Malheureusement, c'est pas ce qu'on recherche du tout. Un eagle qui descend sans doute avec lui, d'ailleurs. Marcus Hendrix. Non, 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 il y a plagiat, là, je suis désolé. Il y a plagiat. Hop, problème résolu. Qu'est-ce qu'il a laissé? Mettons des boucliers, allez-je récupérer? Allez-je récupérer, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? T'es quoi toi? Dave Alsal. Non. Tu ne m'intéresses pas. Hey, Space Scout. Il passe pas très loin en plus, ça peut être sympa. Y'a pas papa. Non. Des petits Sandwinders. Qui sont très très loin. Par conséquent, j'ai aucune raison de leur faire du mal. Sauf s'il y en a un qui est devant, bien sûr. 4 km. Ça par exemple, ça peut être intéressant. Mad Maze, bleu. Bon, casier vierge, dommage. Il y a bien que son casier. Il y a que son casier qui est vierge, malheureusement. Ok, demi-tour. Le Eagle là. Qui fonce droit sur moi. Non? Non, je croyais. Qu'est-ce que je disais? Eh ben voilà. Oh, je l'ai raté.
T'inquiète. Ça va aller très très vite. Hop. Non, non. Allez. Hop, et de 1. Où sont tes copains? Où sont tes copains qui m'ont attaqué aussi? T'en es pas un, toi? T'as réussi du système? D'accord. Il me sort des boucliers, nanana. Y'a rien du tout d'intéressant dans le coin, en fait, là. D'accord. Autorité système, y'a que ça, hein. Ah là là. Alors, plutôt que j'aille dans un truc anarchique, comme ça, je pourrais attaquer tout le monde. Sidewinder Zanzibar. Quasi vierge, dommage. Dommage. Analyse nécessaire. Ça m'étonne qu'il soit violent, mais bon. Bon. Il y a plus de cadavres qu'autre chose, mais bon, c'est comme ça. Ok, il se faut observer. Un eagle. Tiens donc. Sebraka. Recherché. Ça tombe bien. Scan detected. Je l'ai raté. Hop, là je le rate pas. Hop, problème résolu. Tu disais? Je vais quoi, la gueule ouverte? Ok, rien du tout. Rien du tout. Je devrais récupérer, je sais, chers amis, ne vous inquiétez pas, mais... Mais bon. Mais bon. Rien d'autre dans le coin. Bon bah écoutez, on va profiter alors. Hop, on envoie. On va essayer d'en approcher. Ok, vas-y, va chercher tout ça déjà, t'as du boulot. Et je pense, chers amis, que nous, on va se laisser là pour cet épisode en tout cas. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, dont vous pouvez trouver le lien derrière de la chaîne. N'hésitez pas à me dire si vous avez des conseils vis-à-vis des métalliques météorites. Des météorites qu'on peut retrouver pour l'arsenic. Si vous avez des conseils aussi pour les différents composants, en l'occurrence, je crois que c'est des processeurs chimiques ici, sur quel vaisseau vous en avez vu, sur quel niveau de pilotage de combattants ils avaient, n'hésitez pas à me le dire, moi je serais ravi d'apprendre tout ça, toutes ces informations, de rassembler toutes ces informations et de vous en reparler. Encore une fois, merci à vous, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens, et yop.